Est-ce que tu as bien fait ton travail? Je me suis dit que peut-être que s'ils pouvaient rejoindre ici, ils pourront se faire battre facilement. Quoi? Mais j'ai même pas préparé un tour d'éventualité. Le but, c'est de se faire victimiser, pas rejoindre à ma maison. Tu n'as pas bien compris? Ils sont censés être. Ils sont censés être KO, pas se faire. Pas me rejoindre dans mon bal. Putain, Starfire, il est le plus incompétent des toutes. Et en plus, il. Putain, pourquoi est-ce que j'ai l'alarme comme ça, putain? Je devrais chercher un alarme beaucoup plus réaliste que ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à chercher toute éventualité. Est-ce que. Les amis, est-ce que ça va? Oui! Oui. Oui. On peut dire ça, oui. Donc, où est-ce qu'on pourrait trouver Il n'y a personne, il n'y a rien! Regarde, une voiture! C'est pas une voiture, c'est une tondeuse. Bon, c'est remboursé! Bon, pour le passage secret, c'est soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Apparemment, d'après ce qu'il avait marqué dans le panneau, il avait dit qu'une seule chemin est admise. Par contre, les deux autres, ce sont des pièges mortels. Mais mortel! What? On ne comprend pas ce que tu dis, change-la. Mortel? Mais ça doit être dangereux! Alors, il y a quand même une indice au moins. Ouais, c'est une sorte qui ressemble à un tuyau. Celui-là? Oui! Oh bah allons-y. Hey, j'ai trouvé la bonne solution. Bien joué, Changela. Oui, bien joué, Changela. Tu pourrais au moins. Oh, je t'avais pas vu, désolé. Ouais, bien joué, Changela. Changela? Yo! Il s'est fait tuer! Non, je suis toujours là. Viens. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut faire une transition? Si tu veux. Oui! Oui. Oh. Ah bah vous voilà. Ça a l'air un peu plus calme. Oh, Deadpool! Je suis fan de Deadpool. Ce serait pas. Ah oui, ah oui. Ouais. Ah. Quelle chute! Totalement. Mal! Ah, oh, j'ai mal partout maintenant! Oh. Bon, c'est ici où se trouve Cyborg, hein? Ça a l'air un peu plus calme que j'aurais jamais imaginé. Parle pas très vite, Stan. À bout d'un moment, il doit sûrement prendre à toute éventualité. On doit éviter de le trouver. Ouais, exactement, avant qu'il essaie de faire un coup bas. Ok, donc on va devoir se disperser. Non, c'est l'intérêt de Cyborg. Si on se disperse, on va se faire. Tu vois? Oui, peut-être, mais. Au moins, Cyborg va pouvoir se fatiguer si on essaie de nous de tous nous attraper. Il n'a pas faux. Je vais essayer de le chercher, Cyborg. Fais bien attention, Cyborg est un peu plus dangereux. Et stupide. C'est quand il bon signe. Quand il est stupide. Ouais, si tu le dis. Bon, je vais essayer de. Je suis juste un pantalon qui parle. Avec des pieds. C'est toi, Cyborg? Non, je suis pas Cyborg. Je suis juste un simple pantalon qui parle. Non, ne retire pas le cerveau. Ne retire pas le cerveau, tu vas être écœuré. Ah bah bravo, tu as retiré le cerveau. Kratos! Cyborg, reviens ici! Allez tous vous faire foutre! Merde, la porte est fermée! Oh, j'aurais jamais dû me fermer! C'est toi, Starfire! Bon, enfin bref, vu que vous me laissez même pas le choix, je vais devoir utiliser la manière la plus forte. Chat, attaquez-les! J'ai dit chat, attaquez-les! Oh mon dieu, un chat féroce! Miaou. Ah!
Mais ils m'attaquent même pas, en fait. Si, ce sang est féroce. Attaquez-les. Attaquez-les, j'ai dit. Putain, je t'ai empoché en plus. Ah bah parce que tu les as empochés. Tais-toi, oui. Utilise ton attaque ultime. Utilise Ultra Laser. Putain, mais c'est un Pokémon de type normal. Tu trouves que ça, c'est un Pokémon? Oui, exactement. Il a un fond bizarre. En plus, il est moche. C'était trop bizarre. Je te le fais pas dire. Mais enfin bref, Cyborg, tu es en état d'arrestation. Arrestation pourquoi? Pour avoir osé maltraiter Starfire, comme d'habitude. Et pour avoir essayé de nous attaquer. Oh, maintenant tu sais maintenant mon plan, hein. Exactement. C'était trop rapide ce genre d'intrigue. Mais bon, vu que vous vous laissez même pas le choix, je vais devoir tous vous hypnotiser. Un par un. Grâce à... le Tweedoo qui permet de tweedoptiser. Tweedoptiser? Bon, enfin bref. Il est glande tant que je vous hypnotise. Oh, 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 oh. C'est juste du parfum. Attends, tu es censé dire oui, Cyborg, je vais t'obéir. Mais pas ça. Ça sent bon. Non, t'es pas censé dire ça, couillonne. Je t'interdis de dire ça. Non, m'attaque pas. Vous êtes censé de m'hypnotiser, hein. Cyborg, dis. Ce serait pas un simple produit de rien du tout, c'est ça? Mais tais-toi, sale blonde! Bon, enfin bref, vous êtes censé de m'hypnotiser et lui, il est censé de faire tout faire, hein? Puisque c'est comme ça, je vais appeler la police. Ton téléphone est cassé. Je m'en fous! Non! Mais c'est pas vrai! Stupide téléphone! Ok, Cyborg, là, tu es foutu. Non, un combat entre toi et moi, ce sera super équitable. c'est complètement ridicule, il faut... parce que là, tu tapes la honte. Non, c'est toi qui te tapes la honte. Bon, enfin bref, toi, Jean-Gelin, et moi, ce sera un combat entre... style par style. Tu es prêt? Ce combat ce risque d'être difficile, ok, tu n'aurais jamais imaginé. Parce que je suis du métal. Et toi, tu n'es juste qu'un simple petit bête qui est vert. Et moi, je déteste tout ce qui est vert. Alors là, c'est vraiment du racisme. Ouais, exactement. Maintenant, tu... Tu m'as fait pleurer. Oh, tu as quel âge pour comporter comme ça? Mais c'est normal, je suis censé être un bébé. Puisque c'est comme ça, je vais devoir utiliser la manière la plus forte. Oh super, quoi encore? Ça, la ceinture qui permet de me renforcer la force. Regarde comment je suis fort. Maintenant, Georges là, essaye de me taper. Oh, ça fait mal. Oh là là, ça fait vraiment mal. Ouais, parce que je suis le plus fort. Oh, oh, regardez comment je... Oh. Cyborg, est-ce que tu vas bien? You suck, stupid Cyborg. T'avais qu'à pas me dire du mal ou à dire du mal de mon copain. En plus il fait trop sombre. Voilà qui est mieux. Liberté. Va, mon petit. Oh, il m'a même pas dit merci.
Vous avez peut-être gagné, mais la prochaine fois ce sera encore plus brutal. Toi, assistant, tu viens. Lâche-moi, espèce de fou. Non. Bye bye. Je suis libre, oui. Non, tu viens, gratte à mon aimant à main. Bon débarras. Attends, Cyborg. C'est pas vrai, il a encore enlevé Starfire. Enfin bref, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir accompagner parce que là, je dois m'occuper le cas de de Cyborg. Reviens, couillon. Au moins, ça nous mène à la sortie. Ouais, exactement. Mais je me demande quel genre de vie ils vont nous présenter. Cette chemin-là, cet passage secret. J'espère que ça n'a pas l'air d'être dangereux. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime tout ce qui est dangereux. Pas quoi ?